C'est avec un immense plaisir que je vous accueille en cette journée importante pour notre village, l'inauguration de notre mairie rénovée. Je donne la parole maintenant à Jean-René Le Cerf, donc président du département du Nord. Mon cher Jacques, monsieur le maire, monsieur le conseiller départemental, monsieur le président du syndicat intercommunal, monsieur le vice-président du service départemental, de secours, de l'Ossarité. Je vous remercie de votre attention. Je félicite à nouveau tous les acteurs qui ont contribué à l'inauguration de cette nouvelle mairie parce que les élus et les maires le savent bien, porter un tel projet, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, c'est toute une chaîne d'acteurs qui doivent se mobiliser. Donc je félicite Verlinghem pour cette initiative. Vive Verlinghem, vive le Nord et vive la France. Après Jésus-Christ, les armées romaines occupent la Gaule. Toute la Gaule? Non. Au nord, un petit village gaulois résiste, Verlinghem. Les Allemands, à proximité du front, occupent Verlinghem pendant toute la guerre. Le village évacué de ses habitants en 1917 ne recouvre sa liberté qu'en 1918. Sur la route de Lambersart, un porche massif en pierre s'ouvre sur le château blanc. Son style néoclassique du 19e siècle n'a pas été épargné par la folie destructrice de la guerre 14-18. Reconstruit à l'identique, vous y découvrirez aujourd'hui un espace dédié au mariage. En 1967, Nicole et Antoine Leblanc se lancent à corps perdu dans une belle aventure, le nouveau parc d'attractions La Chanterelle. Éléphants, autruches, zèbres, lions, mais également toboggan nautique chauffé, pédalo, petit train, château gonflable, manège, marionnettes, bassin d'eau et plein de jeux.